rattraper le temps perdu, presque en train de rattraper le temps, et ça va très vite. Nous sommes très heureux d'accompagner ce mouvement pour le pays auquel nous croyons beaucoup, que nous estimons beaucoup. Vous avez mis combien de temps? Bah écoute,
10. Je ne sais pas si elle est à l'heure, mais moins 10. Et alors? Et alors, super. C'est génial. Régalé. Franchement, je suis ravie d'avoir fait cette expérience. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, c'est d'enfer. Merci. 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 Par rapport à vos estimations, c'est exactement ce qu'on avait prévu. On est arrivé à moins 10, c'est ça ? Moins 5. Moins 5. Le seul truc, c'est qu'on avait prévu midi. Bon, c'est une heure, c'est pas grave. C'est quand c'était moins 5. Mais on est content d'avoir fait quand même. Ouais, vous êtes parti de quelle altitude ? 2003. Et toi, par rapport à tes prévisions J'ai aucune prévision. Bon, ma tête. Bon, alors, je suis dans les temps. Je suis très content. C'est nickel. Impeccable, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'a le plus satisfait? Ah, le vélo, ouais, c'était pas mal. Ouais. Et puis le panorama ici, c'est fabuleux. Quoi. Et surtout, comment ils exploitent la terre. Là. La haute altitude, comme ça, avec les moyens qu'ils ont, c'est fabuleux. Quoi. T'as vu des aigles? Ouais, ah, c'était des aigles, là. Hein, 3, il faut dire 3, d'accord. Il me dit qu'il faut dire 3. Il t'a empaillé, 4. Je pensais mettre un peu moins à vélo, et puis pour monter le volcan, je savais pas du tout. Quoi. Mais bon, je suis assez contente quand même. C'est trop tard de la montée. Je suis assez contente. Ouais, la montée, elle est un peu dure quand même. À vélo aussi, ça me fait. Je crois que ça reste monté comme ça. Mais c'était un beau parcours. C'est long. Puis pour voir ça, franchement, ça vaut le coup quand même, ouais, de se faire mal. C'est bien d'avoir mal aux muscles. Ce qu'il faut. Ah, c'est joli, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, apparemment, la route est beaucoup plus lourde que prévu. Il a beaucoup plu hier et on avait envisagé avec la direction de course de donc Jean-Pierre hein, de prendre un autre parcours un peu plus asphalté. Et finalement, les concurrents préféraient continuer, ce qui est courageux. Et puis, ils aiment bien cette nature en Arménie. C'est à moi. C'est tellement chaud et sec. T'en es content de tabou sur ton vélo? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Casser la patte de derrière, un petit peu furieux. Tu vois comment, quand t'es furieux, comment t'es content. Tu sais faire le poule? Est-ce que tu sais faire le poule? Vas-y, montre-nous. Ah ouais, ouais. Filme ça parce que mes potes, je pense que là, ils vont bien se moquer. Ils vont bien se moquer. Il manque pas quelque chose? Oui. Du courage. Attends. Alors, comment s'annonce la journée? Dur, très dur. Longue, très longue. Ouais. Non mais ça va le faire. Le mental est fort.
Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Jean-Pierre, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Arrête. Il est là, rassure-moi, il est là, le lac Sevan. Ouais, bien sûr. Misère. Non. C'est the pas beau. Sevan Lake. Here, here, ah, just here, photo, no? Bah, c'est trop beau. On va regretter d'être ici, là. Non, pas du tout. Malgré la souffrance. Non, malgré la souffrance, on est vraiment ravis. Non, pour rien au monde, j'aurais raté cette expérience, sincèrement. Viva Arménia, hein? Viva! Les supporters, là, c'est de toute beauté. Magnifique. Je vais me faire bouffer par un clef. Hein, j'ai vu. Je l'ai pas trop senti. C'est adorable. C'est nickel. Super itinéraire. Allez, elle te casse pas la jambe. Ah non, mais allez, dors. Petit village là, deuxième village. Ouais. Les gens sont adorables. Ils nous ont demandé des petits échantillons de parfum. C'est vrai. Je pense que c'est Valentine qui leur a donné l'idée parce qu'elle en a plein les poches. Comment ils t'ont demandé ça? Bah, elle a fait le geste, tu sais, comme ça. Quand on a dit qu'on était français, je pense que ça a dû l'interpeller. Ce qui est marrant, c'est que ils nous ont demandé nos emails. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas, pourquoi, je pense qu'ils vont peut-être nous envoyer quelque chose. Ils ont peut-être moyen de se connecter, peut-être à Martouni. On a pris des photos pour qu'on leur envoie. C'est un peu surréaliste quand tu vois un peu le décor. Ah, l'image. Ah, ça, faut que tu rentres. Alors, t'es où là? Bah, je suis dans une chambre. Hein? Qu'est-ce que tu Vraisemblablement. C'est ici qu'ils vivent. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Les toilettes? Non. C'est quoi? Non. C'est quoi? Quoi? Chleb, chleb. Chleb, c'est quoi, chleb? Paruski. Paruski. Chleb. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour cacher quelque chose, ça? Non, c'est pour la vache. Da, la vache, la vache, la vache. Ah, pour le pain. C'est quoi, c'est un four? Waouh, ça sent la campagne, hein. C'est incroyable. Merci. Donc qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas en course, là? Non, il va falloir que j'y aille parce que j'ai pris un petit peu de retard. La vache. De temps pour sortir du village. Ouais, on a pris quelques photos, ouais, c'était sympa. On a mangé un petit morceau, c'est invité par les gens du village. Invité. On n'a pas pu refuser. Assiette de légumes, yaourt, café, gâteau, lavage, tout ce que tu veux, quoi. J'ai plus faim. Vous êtes en course, là? On a bien bouffé. Ouais, justement. On s'est dit que pour gérer l'effort, c'était la seule solution. Explique-moi, qu'est-ce que c'est cette lettre-là? C'est le F de France, ouais, paraît-il. Pourquoi t'as eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Parce que j'ai fini avant-dernière. C'était très bien. En plus, elle est belle. Ouais. Tu penses que c'est une bonne lettre? Ouais, bah oui, 10 points. On va essayer de la placer maintenant.
quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ce matin là? Ah super, un super tour de vélo. Par contre, la vue, on a vu un aigle magnifique. Et ce qui est très surprenant, c'est quand on est en pleine montagne perdue et d'un coup la vue sur Camo, les blocs de béton, c'est très surprenant, ça met un coup au cœur presque. Mais sinon c'était super. Et les routes arméniennes. Moi c'est Lyon, c'est pas Marseille. Hein. Mais bon. Parce que on prend Flavien. Ouais. Encore. Pour savoir juste. Ouais, parce que je me suis fait des marines arméniennes alors. C'est complètement interdit. Mais si, c'est autorisé, on l'a dit pendant la conférence, on a dit qu'il y avait le droit de se faire aider, de tricher même, de copier sur le voisin. Mais non, c'est pas ça qui nous intéresse, nous c'est les points. La signification, c'est vraiment secondaire. Compte tenu de la diversité des participants que nous avions, entre des gens relativement forts et sportifs et entre des gens qui ne l'étaient pas, on a conçu un classement, certes en fonction du temps, mais qui permet d'obtenir des lettres de l'alphabet arménien. Et finalement, le classement définitif sera basé sur l'aptitude de chaque concurrent à composer des mots arménien, en arménien. Et cela en se faisant aider par des Arméniens de leur choix. Et donc c'est ce qui se passe actuellement devant l'hôtel, la terrasse de l'hôtel Marriott, qui est notre partenaire et qui a choisi de nous recevoir. Et donc ça a lieu. On saura bientôt qui sera le vainqueur, c'est-à-dire celui qui aura composé le plus nombre de mots. C'est une sorte de Scrabble arménien.